Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Voici les guidances pour le mois d'octobre 2023. Alors j'ai fait des guidances un petit peu différentes, même totalement différentes, pas sur la forme, par rapport à mes guidances de septembre, puisque les guidances de septembre étaient faites par année personnelle. Et là j'ai décidé de les faire par signe astrologique. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que je me suis dit, mais je peux me tromper, l'année personnelle, d'une part, était un petit peu plus difficile pour vous, entre guillemets, parce qu'il fallait d'abord la calculer, etc. Et puis peut-être que vous aviez du mal à vous identifier, on va dire, à un nombre plus qu'à un signe astrologique. Donc j'ai décidé ce mois-ci de faire par signe astrologique. Vous me direz dans les commentaires si ça vous plaît ou pas. Sachant que ceux qui ont aimé le côté année personnelle, vous retrouverez quand même, mais dans mes réseaux, dont vous avez tous les liens sous ma vidéo, un descriptif de votre mois d'octobre par rapport à votre année. Donc je fais un peu les deux en fait. Sauf qu'il n'y a pas les cartes pour l'année personnelle cette fois-ci. Voilà. Donc je vous conseille également d'aller voir d'abord l'introduction de ce mois d'octobre 2023, parce que vous avez également des informations dedans qui vont pouvoir compléter votre tirage. Et puis, pourquoi pas aller voir évidemment son ascendant et son signe lunaire, parce que ce qui est bien avec le signe astrologique, c'est que vous pouvez avoir des compléments d'informations grâce aux autres éléments de votre thème. Voilà, sur ce, on va y aller. Donc, nous sommes sur la guidance du mois d'octobre 2023 pour les Gémeaux. Vous avez ici l'énergie générale de votre mois d'octobre, ici les trois axes principaux, ici en tarot vous avez votre état d'esprit, ce qui vous chiffonne, le défi que vous devez relever, l'énergie aidante qui vous tire vers le haut, l'énergie plombante qui vous tire vers le bas, une carte de fin de mois pour voir où vous en êtes à la fin de ce mois d'octobre. Nous avons le Tao Oracle à qui j'ai demandé quelle est la situation qu'il avait envie de mettre en lumière pour vous pour ce mois d'octobre 2023 et on finit par quelques messages. Allez, c'est parti. Alors, l'énergie générale de votre mois. Nous avons, bon, la Lune. Bon, ça ne m'étonne pas les Gémeaux, hein. Vous êtes quand même un signe très, très, très dans l'émotion. On est dedans. Donc, la Lune, c'est l'émotionnel, bien sûr. C'est le côté profondeur en soi, c'est le côté caché, c'est l'intuition, c'est la créativité, c'est la fertilité. Donc, on parle vraiment là d'une énergie générale sur le mois d'octobre, où il y a de l'émotion. Bien. On va voir les autres cartes et on va découvrir quel est l'impact de cette lune. Émotion, intuition, créativité. Le premier axe important, on a la lettre. Alors, je ne sais pas si on va tous recevoir un courrier, nous en tant que terriens, mais la lettre est sortie énormément de fois. Donc, le courrier, c'est le courrier, l'administratif, la correspondance, le message, la nouvelle qui tombe. Parce qu'aujourd'hui, les courriers, on n'en a plus beaucoup. Hein, tout se passe par email maintenant. Donc, il y a une nouvelle. Une nouvelle qui peut impacter votre émotionnel. On continue. On va voir ce que ça donne. La deuxième chose. Bon, nous avons la trahison, la sournoiserie, la méfiance, la tricherie, la tromperie. Il y a, je pense que ce courrier, il va vous impacter émotionnellement parlant parce qu'il n'a pas l'air très... Ça n'a pas l'air d'être une bonne nouvelle, j'ai envie de vous dire, vu comme ça. C'est un courrier qui risque de vous mâcher un peu, c'est possible. Ou c'est un courrier, en tout cas, qui vous fait comprendre qu'on vous l'a fait un peu à l'envers, quoi. C'est possible. On va voir le troisième axe important. L'amitié. Loyauté, fidélité, confiance. Bon. Donc, plusieurs choses. Soit c'est une nouvelle d'une amie, c'est-à-dire que vous entendez quelque chose qui vient vous être rapporté et qui vient vous mettre en berne. C'est possible par rapport à une amie, à une connaissance. Soit, au contraire, on vous dit... réunissez-vous avec les amis, parce que cette carte-là montre que vous avez des amis loyaux, fidèles, où vous pouvez avoir confiance. Donc, il y a deux possibilités. Soit vous avez vraiment une trahison dans le relationnel et vous l'apprenez, et du coup, ça vous met en berne. Soit c'est vous qui avez un émotionnel assez bas et qui peut-être...
Je dirais, prenez les choses un peu trop à cœur. Vous savez, le côté un peu soupe-au-lait, un peu. On va voir avec le tarot ce que ça nous dit. Mais il y a deux possibilités. En tout cas, je pense que soit c'est une vraie trahison, soit c'est vous qui pensez être trahi. C'est possible. On continue. Quel est votre état d'esprit? Le chariot. Bon, plutôt chouette. Le chariot est une carte de réussite, une carte de succès. C'est une arcane majeure, donc vous avez un état d'esprit plutôt fort. Vous avez envie de prendre les rênes de votre vie en main. Là, tout de suite, la chose qui me vient à l'esprit, c'est vous avez envie de mettre les pieds dedans, là, hein, clairement. Hein. C'est possible. Hein. Le chariot, sa particularité, bon, là, c'est un tarot moderne, mais initialement, c'est deux chevaux ou deux sphinx. Le chariot, c'est soyez en accord avec votre tête et votre cœur afin de pouvoir avancer, afin de pouvoir vous déplacer. Le chariot parle de rapidité, parle de déplacement aussi, de voyage, c'est possible, pourquoi pas. En tout cas, vous avez un état d'esprit de vainqueur, vous êtes sur votre chariot, c'est vous qui menez la barque. Bon, on continue. Qu'est-ce qui vous chiffonne? Le 8 d'épée. Bien, ça commence à être intéressant. Le 8 d'épée, c'est on se sent prisonnier, prisonnière. Il y a une notion, donc les épées dans le tarot, c'est les pensées. Il y a une notion ici que des pensées vous enferment. Attention à ne pas aller plus vite que la musique, encore une fois, avec le chariot, aller plus vite que la musique, par rapport à des choses que vous pensez et qui ne sont peut-être, je dis bien peut-être pas vraies. Si ça se trouve, vous avez raison, hein. Si ça se trouve, vous avez raison. Mais attention à ça. Alors le 8 d'épée, ça peut être aussi ce qui vous chiffonne, c'est que ce que vous avez appris vous enferme. C'est-à-dire que là, il y a des pensées limitantes qui arrivent. Oui, de toute façon, je ne peux plus faire confiance à personne. De toute façon, j'ai pas d'amis. Il peut y avoir quelque chose qui vient, je dirais, alimenter un mental un peu auto-saboteur, un peu victime. C'est possible. En tout cas, elle, comme vous le voyez, elle ne voit rien. Comme vous le voyez, elle ne voit rien, c'est drôle. Elle ne voit rien et elle ne sait pas trop comment se dégager. Initialement, le 8 d'épée, vous n'êtes pas bloqué. Vous n'êtes pas prisonnier. On a, comme on dit, toujours le choix. Donc là, il y a une notion ici de se leurrer sur quelque chose. Et ça vous ennuie. Ça ne vous ennuie, ça vous ennuie parce que vous n'avez pas de preuves, en fait. Il y a une notion d'être un peu dans le brouillard avec ce 8 d'épée. Mais d'avoir un mode de pensée qui va très très vite et qui se dit oui, de toute façon, j'ai plus d'amis, je ne suis pas aimée, on m'a fait ça. Voilà. On continue. Quel est votre défi? On va avancer. Encore ce cavalier de bâton. Il sort pas mal de fois aussi, ce cavalier de bâton. Cavalier de bâton ou chevalier de bâton, votre défi est d'être déterminé à avancer. Un cavalier de bâton, quand il est dans le brouillard, il est déterminé à lever le brouillard. Il est déterminé à mettre en lumière quelque chose de caché. Intéressant, n'est-ce pas, avec la lune? C'est exactement ça. La lune, c'est la nuit. Elle est éclairée par le soleil. Donc, c'est mettre en lumière quelque chose de caché. C'est possible. C'est possible. Donc en tout cas, le cavalier est une carte d'action. Donc c'est mettre une action en place afin d'être déterminé à mettre en lumière, à lever ce bandeau que vous avez sur les yeux et qui vous fait penser que vous êtes pieds et poings liés, pieds comme piégés. L'énergie qui va vous aider dans ce mois d'octobre, le pendu. Donc le pendu, alors c'est rigolo parce que vous avez un défi qui vous demande de mettre une action et l'énergie aidante qui vous dit de ne pas bouger. Alors le pendu, il réfléchit avant d'agir. L'énergie qui va vous aider est une énergie de réflexion avant l'action. Parce que peut-être que vous pouvez vous leurrer. Vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants. Il y a des choses à mettre en lumière d'abord. Donc le pendu, c'est ça. La deuxième chose, c'est de changer son point de vue, de voir les choses autrement. Le pendu, il ne bouge pas parce qu'il attend d'écouter, je dirais, son intuition, sa petite voix, sa belle équipe, afin de pouvoir ensuite agir. Donc la grande aide que vous allez avoir sur ce mois d'octobre, c'est de ne pas agir
impulsivement. Attention avec le cavalier de bâton, hein. Le bâton, c'est le feu. Il cherche pas à, des fois à comprendre. Hein. Donc là, pourtant, on vous dit, pose-toi, regarde les choses autrement. Essaye de mettre en lumière tout ce qui te manque dans cette histoire, dans cette expérience de vie. L'énergie plombante, celle qui vous tire vers le bas, celle qui ne vous aide pas. Nous avons le 6 de coupe. Donc là, mes chers Gémeaux, Gémeaux étant, je dirais, un signe qui parle de d'émotions, bien sûr. Hein. Le Gémeaux, c'est ça, c'est la sensibilité. C'est nos grands artistes, les Gémeaux. Et il y a aussi le côté, vous pouvez être très vite angoissé ou stressé. Le 6 de coupe, c'est la nostalgie du passé. Il y a une notion de tristesse ici. Il y a une notion se remémorer des choses, mais qui font pas, qui vous mettent un peu le vague à l'âme, voyez? Donc, faut pas aller là-dedans. En gros, là, faut pas aller là-dedans. Voilà, je peux pas vous dire mieux. C'est bizarre, il y a autre chose avec cette carte, mais ça ne me vient pas. Attendez, je vais essayer de tirer une autre carte par-dessus pour voir un petit peu. Allez, information complémentaire sur le 6 de coupe dans les énergies qui n'aident pas nos chers Gémeaux dans ce mois d'octobre 2023. Information complémentaire sur ce 6 de coupe, énergie plombante qui les tire vers le bas. Oups là. Qu'est-ce qu'on a? On a le 8 de bâton. Le 8 de bâton parle de rapidité aussi, hein. Et il parle de saisir une chance au vol. Il parle attention à la rapidité. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a une autre carte qui est tombée. Et le cavalier d'épée. Ouais, donc non. Faut pas être rapide. Faut pas agir impulsivement. Peut-être par rapport à des choses qui se sont passées dans le passé. Peut-être qu'en fait. Alors attendez, ça y est, je crois savoir. Peut-être qu'en fait, cette histoire de trahison là, elle n'est pas d'aujourd'hui. Elle n'est pas d'aujourd'hui. Et là, aujourd'hui, en ce mois d'octobre, alors c'est rigolo parce qu'avec ce mois de septembre, c'est pareil, on est dans le nettoyage, on est dans le détachement du passé, etc. Et là, je me demande si c'est pas ça. Je me demande s'il n'y a pas une vieille trahison qui traîne en vous, qu'il faudrait mettre en lumière afin de pouvoir s'en débarrasser, afin de pouvoir changer de point de vue et reprendre son chemin. Couper le 8 d'épée, il montre sur la carte que il y a des liens à couper. Je crois qu'on est là-dessus. On verra avec les messages, mais je me demande si on n'est pas là-dessus. Donc une vieille trahison, un mensonge, une blessure par rapport à l'amitié, à une relation en tout cas, qui vous enferme émotionnellement parlant. Et là, vous êtes dans un état d'esprit de vous dire stop, maintenant, ça suffit. Mais voilà, faut changer de point de vue. Faut changer de point de vue sur quelque chose. Faut arrêter de ressasser. C'est ça le 6 de coupe avec vous. De ressasser le passé qui vous met votre mental dans une colère. Le cavalier d'épée, c'est l'un des cavaliers les plus rapides. Donc ça vous rend soupçonné. Ça vous rend susceptible en fait. Cette histoire vous rend susceptible ou cette expérience vous rend susceptible. Bon, on continue. Comment vous terminez votre mois? Ouh, bien, roi de bâton. Bâton, bâton. Votre défi, c'est du bâton et votre fin de mois, c'est du bâton. Donc, roi de bâton. Donc, j'aime bien. J'aime bien pourquoi? Parce que vous avez un défi, c'est le cavalier de bâton, et là on passe au roi. Ça veut dire qu'il y a une notion de maturité ici. Il y a une notion, il n'y a rien qui le fait bouger lui. Vous avez vu sa posture, hein, une main sur le côté, une main en avant, c'est comme ça et c'est pas autrement. Il y a quelque chose comme ça. C'est tout droit. Le roi de bâton, c'est un passionné. En général, on le compare avec un entrepreneur qui est passionné de son travail. Il sait ce qu'il fait et il est vraiment déterminé à aller de l'avant. Donc à la fin octobre, je pense que vous allez être déterminé à aller de l'avant parce que si vous utilisez cette énergie aidante de changement de point de vue, vous allez réfléchir.
Et vous allez certainement voir les choses autrement, ou en tout cas, vous allez être guidé pour pouvoir reprendre votre chemin. Là, il y a, pour moi, il y a deux. Le chariot, c'est on reprend les rênes de sa vie et on avance. Le cavalier de bâton, il prend son bâton, il prend son sac à dos et il avance. Le roi de bâton, c'est tout droit. Donc il y a une notion de détermination à se séparer du passé pour pouvoir se libérer et avancer. C'est plutôt chouette. Moi, ça me parle bien. On continue. Qu'est-ce que le Tao veut mettre en situation, la situation en lumière pour vous au mois d'octobre? Il nous dit patience. Le pendu. La situation, les circonstances sont prometteuses, mais ce n'est pas encore le moment d'agir. Le temps est un allié, il faut calmer son anxiété. Les émotions. Le conseil, garde confiance, bois, mange, renforce-toi par le repos, le plaisir et la joie. On vous demande de décrocher là. Je pense qu'à un moment ou un autre, de toute façon, il va y avoir une mise en lumière de ça. Mais si c'est une mise en lumière de la trahison, bon bah ok, et next, on passe à autre chose, le fameux mois d'octobre, le next. Comme le mois de septembre d'ailleurs. Mais ça peut aussi mettre en lumière quelque chose à l'intérieur de vous, un mode de fonctionnement que vous portez depuis un moment et qui vous enferme. Dans tous les cas, il y a une forme peut-être de guérison. L'amitié aussi, cette carte, elle parle de loyauté, de fidélité, de confiance, mais elle peut parler aussi de vous. Soyez loyal avec vous-même, fidèle à vous-même. Ça peut être ça aussi. Bien, on va regarder les petits messages. Alors, écoutez les astres. Reste debout sous les ciels étoilés. Ferme les yeux, sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider. Alors, tends l'oreille. Donc là, il peut y avoir aussi cette notion d'intuition avec la lune. Il y a une notion, vous allez être guidé. Le pendu, de toute façon, il se met la tête à l'envers, mais il a la lumière sur sa tête, sur ce qu'il pense. Il se laisse inspirer. Il ne veut pas agir avec rapidité. C'est pour ça qu'il s'attache lui-même, parce qu'il se dit, oh là là, je vais encore griller les étapes et je vais pas réfléchir assez. Bien, quel est le gardien mystique qui vous accompagne sur ce mois d'octobre? Nous avons le canard. Alors, le canard vous dit guérison, navigation, expérimenter. Aisance. Affirmation, je navigue avec grâce parmi les mondes de l'esprit, de la créativité et de l'émotion. Incroyable. On est pile poil dedans. La lune, le pendu, la guérison, c'est ça. Je navigue avec grâce. Vous vous sortirez de situations inconfortables sans vous faire submerger par la négativité, le mélodrame ou l'ego. Votre vous intérieur sait comment vous guider à travers n'importe quelle situation. Ne vous inquiétez pas de ce que pensent ou disent les autres de vous. La vérité surgira et rien d'autre ne pourra vous atteindre. Vous voilà encouragé à regarder au-delà des mondes que vous connaissez vers d'autres réalités et façons d'être. Nul doute que vous réussirez à vous adapter et à vous épanouir. Utilisez les huiles nourrissantes pour créer une barrière protectrice pour votre peau. Tout en étalant ces huiles, imaginez que vous êtes également en train d'appliquer une couche de protection psychique. Bien, on est pile poil dedans. Ne vous inquiétez pas de ce que pensent ou disent les autres. On vous dit, allez, trace ton chemin. Même s'il y a eu ça, trace ton chemin. Ne garde pas ça pour toi. Change ton savoir-être par rapport à ça. Ne fais pas parler ton ego. Bien. Quelle est la clé de la goutte quand il boxe? Alors, lors de chaque épreuve, vous pouvez inverser la réalité en adoptant l'attitude opposée à celle qui vous aura amené. Riez, souriez, chantez, dansez, même si la situation ne s'y prête pas. En modifiant l'énergie envoyée dans votre réalité, une réaction en chaîne s'enclenchera et elle changera automatiquement. C'est génial ce conseil parce qu'il est tellement vrai, tellement vrai. Envoyez de l'amour. Alors je sais que ce n'est pas facile, hein, mais envoyez de la lumière. Et si vous ne pouvez pas le faire vous-même, demandez à votre belle équipe d'envoyer de la lumière plutôt que de ressasser des choses qui ne vous conviennent pas. Parce que c'est vous
qui vous liez là. C'est vous qui nourrissez ce lien de trahison, d'énergie négative. Il est temps de changer de point de vue et de lâcher, de mettre ça derrière soi. On oublie le passé parce que ce passé-là, il vous tire vers le bas et vous prenez votre route, les amis. Les Gémeaux, bien. Voilà. J'ai terminé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous liker, à mettre des commentaires, à partager. Et puis, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre et à très bientôt. Ciao!